Bonjour à tous, c'est Iseo pour un nouvel épisode de Warrior Cat The Game, l'épisode 15 si je me rappelle bien. Et il s'est un peu fait attendre d'ailleurs. Je suis à 2 semaines de l'ancien épisode et un camion qui vient de passer devant ma fenêtre, donc je vais maintenant aller la fermer. Ah là, désolé. Donc certains m'ont dit qu'ils espéraient que le prochain épisode ne serait pas avant un mois, et ben voilà, c'est fait, vu que ça fait que 2 semaines. Que 2 semaines. Bref, alors, où est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'on devait faire? Voyons voir. Ah oui, si je me souviens bien, il fallait qu'on retrouve notre apprenti. Qu'on avait perdu en fait. Si je me souviens bien. Donc c'est ce qu'on va faire. Le son est peut-être un peu fort. Voilà. Sinon, si vous allez avoir un doublon de son, ça va pas être très appréciable. Si on peut dire ça comme ça. Voyons voir. J'ai peut-être une petite idée d'où elle pourrait être. Je ne suis pas totalement sûr, c'est une petite idée. Alors, j'avais complètement... Enfin, je suis plus du tout habitué à faire des épisodes, là. Puis je me dis, non, je vais le faire plus tard, non, je vais le faire plus tard, et puis au final, non, je le ferai demain, et puis ça... Répétez le schéma 10 fois, et puis ça... Ça vous amène facilement à 2 semaines. Donc, enfin, c'est pas une excuse, bien sûr, mais... En même temps, j'avais un peu la grosse flemme. Non, c'est pas ici que je voulais aller. Pas du tout, en fait. Alors, on va continuer par là. C'est peut-être le truc d'après. Je sais exactement où je veux aller, mais je sais plus comment y aller. Voilà, il y a vraiment trop de trucs par ici. Non, si je me rappelle bien, c'est pas par là, à moins que ce soit à gauche, mais... Oups, nié. Voilà, c'était là que je voulais aller, mais elle n'y est pas, de toute évidence. De toute évidence, elle n'y est pas. Ah oui, c'est pas bête. Non, je viens de repenser à un commentaire, quoi. On m'a dit. Et ce serait logique qu'elle soit là-bas, mon apprenti. Enfin, logique, non, pas forcément logique, mais... D'un point de vue scénaristique, ok, je me mets à utiliser des mots sans aucun ordre précis, c'est aucune logique. Bon, bref. Avec le rapport jeu-livre, ce serait presque logique qu'elle soit là-bas. Donc on va aller voir tout de suite. Maintenant. Mais que c'est pas là qu'on doit aller. C'est là-haut. Alors. Oui. Voyons voir. Non, pas ici. Donc non, elle n'est pas là. On va continuer par ici. Ok, donc il n'est pas là. Enfin, elle n'est pas là. Alors, là où était Plume Grise avant. Il y a vraiment trop de monde par ici. Excusez-moi une seconde. Hop, voilà. Parce qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Ah, là, il y a du monde. Rocher du soleil. Rocher du soleil. Alors. C'est quoi ça? Ah, cool. Je me suis reposé. Je suis reposé sur les rochers du soleil. Normal, c'est les rochers du soleil. Lol. Bref. C'est pas assez, je voulais aller, moi. Hop, on y va direct. C'est qui? Broken Pow. C'est qui Broken Pow? Plume brisée?
Est-ce que c'est plume brisée? Non, je crois pas. Ouais. C'est ici que... Que c'est plume rose ou que... Bon, bref, c'est ici que l'ancien lieutenant est mort. Singapore, je crois que c'est mon apprenti. Oh, c'est la rivière, semble l'œil. Et là... Ok, donc je sais exactement ce qui va se passer maintenant. Attention, ça va être drôle. Regarde, l'eau semble gelée. Il a vu une poule d'eau. Je sais pas... Enfin, j'ai lu le livre, donc je sais ce que c'est, mais... Waterwall, je sais même pas ce que ça veut dire. Je pense que je vais aller l'attraper. Ouh! Et là, il a fait plouf. Et là, vous voyez un chat qui marche sur l'eau. C'est Rivière d'Argent, qui est devenu à moitié invisible. Oups, excusez-moi. Qui est devenu invisible. En gros, elle sauve. Et puis là, ils sont deux chats tout transparents. Désolé, mais cette bulle est tellement drôle. On dirait Taz, quoi. Bref. Non, je vais pas imiter Taz, parce que là, je vais cracher sur le micro, ça va pas le faire. Et donc, Plume Grise crache beaucoup d'eau. Les genres d'expression comme ça, où il y a que... Enfin... Comment on appelle ça, déjà? Plouf, machin, truc... Bah bref. Ça, je peux les dire, parce que c'est pas très compliqué, mais enfin... C'est plus compliqué à traduire ce genre de texte que j'ai devant moi actuellement. Je pense qu'il va survivre. C'est bon maintenant. Maintenant, retournez dans sur votre territoire. Mon père voudra me tuer s'il apprend que j'ai aidé des chats dans notre clan. Au revoir. Le plus gris a dit qu'on est retourné dans notre camp. Et puis voilà. Là, il y a Griffe de Tigre qui nous dit que... Ah, vous êtes encore retourné sur le territoire du clan de la rivière. Donc là, il monte. Enfin, moi, j'ai lu le livre, mais enfin, là, ils disent pas vraiment qu'il monte, mais bref. Donc, enfin, ils mentent, ils disent que qu'ils étaient allés s'entraîner, que Plume Grise a voulu montrer comment attraper du poisson, qu'il est tombé dans la rivière et que Cœur de Feu a dû le repêcher. C'est un peu étrange. Et là, Plume Grise doit aller voir Yellow Fang, trop jaune. Voilà, ça c'est fait. Voyons voir. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Une mission? Non, alors, qu'est-ce que je dois faire du coup? Toi, tu me dis rien. 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 Où est passé Plume Grise d'ailleurs? Bref, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sûrement aller au Training Hollow. Mais de l'autre côté. Non, attendez, voyons voir. Ravine. Ça ressemble à tout sauf à un ravin, c'est pas grave. Normalement, j'aurais dû venir ici avec mes apprentis. Enfin, mes apprentis, vu que Plume Grise est malade, maintenant j'en ai deux, voilà. Voyons voir. Alors, maintenant. Je dois faire, mon dieu. Cool. En fait, j'avais... Fallait que je parle à Dieu de Tigre. Oh non, je dois encore... Oh là là. Bon alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord sauvegarder, parce que c'est important de sauvegarder. Et ensuite,
Il a fallu que j'emmène mes apprentis faire une évaluation de chasse. Du coup, là, je dois essayer de les retrouver et puis de les espionner pendant qu'ils chassent, voir s'ils chassent bien, tout ça. Tout simplement. Même si je sais exactement où ils sont, du coup. Parce que je sais où je les ai envoyés chasser. Hop, 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 hop. Tiens. Ah cool. Donc là je viens de rencontrer Nuage Cendré, donc mon apprenti qui est en train de chasser. Et je sais pas vraiment ce qu'il m'a demandé, je crois qu'il m'a demandé s'il se débrouillait bien. Donc je ne peux pas te le dire maintenant, non, ne rien dire, ou tu as probablement raté. Voilà. Oui, bien sûr, j'espère que je vais passer. Ok, donc elle on l'a retrouvée, c'est bon. Maintenant il faut que je retrouve l'autre, son frère donc. Si je me rappelle bien, il est au cricket. Non, ça c'est l'étoile bleue. Ok. Coucou princesse. Ok, donc elle veut rien me dire. Ah ouais, chat sauvage, bon, ouais, lui il change pas. Il rentre chez lui normalement. Voilà. Tall Pine. Je vais redire son nom. Bon. Alors, bon, on va aller chercher autre part. Puis c'est tout. Voilà, tout simplement. À moins qu'ils soient tous les deux revenus. Alors on va essayer de parler à Grève de Tigre alors. Ok, donc ils ont réussi leur test. Ok, donc là il me parle de Plume Grise, il dit qu'il trouve ça suspect, il a pas été au clan de la journée et tout ça. Donc je suppose qu'il va falloir que je trouve Plume Grise. Ok. Donc on va aller chercher Plume Grise du coup. Allez hop, c'est parti. Je viens de remarquer ça, mais est-ce que j'ai plus bas que... Non. Je me demande si j'avais plus bas que la sauvegarde numéro 4. Alors, on va continuer. Je pense savoir où il est. Je pense savoir... Bref, on va aller voir. Ah oui, c'est vrai. Non merci, c'est sympathique, mais non merci. Ok, bon. C'est là que je voulais venir voir au début pour les apprentis, mais non, en fait, c'est... Enfin, laissez tomber. Alors, gauche, droite, droite. Ok, gauche. Oh non. Il y a trop de monde par ici. Pourtant, je m'affronte un blaireau, un de ces quatre. Voilà ce que je vais faire. Sauvegarder. Je cherche un blaireau. Du premier coup, allez hop. Stunning Bat. Paralyse. Non, c'est pas une chambre que je voulais faire. Hop. Oh non. Ça c'est super chiant quand je loupe. En plus, j'ai pas beaucoup d'essais parce que ça coûte quand même 600 de mana. Aïe. Ok, faut pas qu'il se soigne trop non plus. On va essayer ça. Ok, je fais du 1000 de dégâts. Hop, 1000. Ok, ça, ça fait mal aussi. Mais bon, je suis plus fort que toi. Parce que je suis... Sega. Ok, c'était nul. Je le reconnais. Je le reconnais, c'était nul. C'est bon. 800. Ok, pas normal. Non mais arrête de te healer, c'est mort pour toi. Tu es mort. N'empêche, ça doit rapporter beaucoup d'expérience. N'empêche, ils perdent environ 2500 par truc. Ok, donc je me prends une autre attaque et je meurs. Bon, je me le tente quand même. 641, c'est tout. Ok, donc là, c'est mort. C'est la fin. Bon, au moins,
on aura bien avancé. Au départ, on ne résistait pas à une attaque. Là, on a bien... On s'est bien battu contre le Milaro. Enfin, on peut toujours pas appeler ça un blaireau. Là, c'est par où j'étais passé. Pour aller au Rocher du Soleil. Je ne sais plus du tout. C'était pas par là parce que je me souviens qu'on pouvait pas y aller. Voyons voir. Comment est-ce qu'on allait au Rocher du Soleil? Peut-être comme ça. Je crois que c'est comme ça en allant sur la gauche. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ici. C'est ici. Voilà. Et... Ah si, ils sont là. Je les ai vus. Vous croyez pouvoir m'échapper? Mais je vous ai vu. Wag. Rivière d'argent a réussi à dire point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Vous réalisez que Plume Grise s'est enfui. Enfin, s'est enfui. Non, c'est éclipsé du camp pour rencontrer Rivière d'argent. Je suis désolé, cœur de feu, mais je ne peux pas arrêter de la voir. Et Rivière d'argent confirme. Je ne peux pas arrêter de le voir non plus. C'est la mieux. Bon bref, elle vous leur dit que c'est dangereux, blablabla. Bla bla. Ce n'est pas dangereux, je suis la... J'ai la fille du chef de mon clan, le Crooked Star. Mais c'est pas Crooked Star en français, mais c'est pas grave. Et je sais quand est-ce que les patrons viennent. Vous essayez de les convaincre qu'ils ont fait un choix stupide, parce qu'ils sont cons, et ils ne vous écoutent pas. Parce qu'ils ont con. Ok, donc maintenant on retourne au camp. Bon, depuis qu'on reçoit nos missions à chaque fois, ça devient beaucoup plus facile de se retrouver. Parce que je me souviens que rien que quand on n'avait pas eu de mission, on devait juste s'entraîner et je savais pas du tout quoi faire, j'étais perdu. Aussi le coup de dormir trois fois pour trouver Croc Jaune, c'était pas mal. Mais bon, là j'ai quand même réussi à regarder les solutions. C'est la seule fois d'ailleurs en fait que j'ai regardé les solutions. Je suis assez fier de moi. Souvent je regarde très souvent les solutions dans les jeux. Mais enfin là on va pas dire que c'est le jeu de l'année super dur en même temps. Et là-bas, là-bas, là-bas. On va aller voir tout de suite Monsieur, qui va être content. Ok, donc lui il dit plus rien. On va sauvegarder. Et on va aller voir Étoile Bleue. Ok, donc apparemment ici il n'y a rien. On va aller parler avec Croc Jaune. Ah, voilà. Ah oui, donc maintenant je sais ce qu'on va devoir faire. Alors. Cœur de feu. Comment ça s'appelle déjà? Palette ouverte. Bon bref, Étoile Bleue a... Oh là là, je vais vraiment avoir du mal moi. Donc, Étoile Bleue a eu une maladie que je crois que... Pas la fièvre verte, pas la toux verte. Le mal vert, voilà. Le mal vert. Et elle est très affaiblie. Et quelques chats dans le clan ont déjà eu. Si elle meurt... Ok, donc... Ça va être sa dernière vie si elle meurt. Et là, je dois aller chercher de l'herbe à chat qu'il y a. Bla 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 bla. Ah oui. Donc, je vous expliquerai pour avoir lu, histoire que ce soit plus simple pour vous et pour moi. Donc je vous expliquais pas plus maintenant. Donc je vous ai dit donc je devais aller chercher de l'herbe à chat. Ensuite il y a un chat qui est arrivé selon lequel Griffe de Tigre devait voir Étoile Bleue parce qu'il a trouvé des traces de l'incursion du clan de l'ombre sur notre territoire. Seulement Étoile Bleue ne peut pas venir parce qu'elle a le mal vert.
D'ailleurs, ils sont tous les deux ici, mais on s'en fout. Alors, il y a... Alors, notre apprenti, Nuage Centré, elle veut aller à notre place avertir... Comment ? Oups, excusez-moi. Il veut aller avertir Griffe de Tigre pendant que nous on va chercher l'Arbacha. Voilà, j'ai réussi. Et nous on lui dit de rester ici. Et voilà. Et donc, vu que c'est une sale gosse, elle va pas nous aider. Voilà, j'ai vraiment des problèmes aujourd'hui, moi. Vu que c'est une sale gosse, elle va pas nous écouter, mais nous, on le sait pas. Alors, nous, on va juste chercher notre Arbacha et on la ferme. Voilà. Tall Pine. J'adore dire ce mot. Hop. Alors, normalement, il faut que je récupère l'Arbacha, puis je vais parler à Princesse, puis je rentre au camp. Voilà. Enfin. Et normalement, il y a de la neige. J'ai dit, what? Ok. That's very strange. C'est très étrange. Vous tapez le rocher, vous réalisez qu'il y a une place. Je sais pas ce que c'est. Bon, pas grave. Il faut que je récupère les trois, je suppose. Non, faut que j'en récupère aucune. Ou une des trois, qui est la bonne, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils mettent ça sous la forme d'un labyrinthe, parce que, en fait, normalement, c'est... Enfin, je sais pas, il n'y a pas de quoi faire ça. Oh non. Donc, je suppose que c'est le petit renfoncement qu'on voit là-bas, qu'il faut prendre. Donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. Bon, normalement ici c'est le jardin des bipèdes. Je vous laisse regarder la tronche du jardin, je pense qu'ils y sont pas allés depuis un bon bout de temps. Ok, donc ce n'est pas ici... Que la taille de leur jardin, quoi. La forêt, elle est minuscule comparée à ça. Quoi? Pourquoi je suis retourné... Ici, c'est pas normal. Ok, donc apparemment il faut que j'aille à l'autre partie. Bon, au moins il n'y a pas d'ennemis. Ça pourrait être pire. Ok, ici c'est mort. Je pense qu'il faut que je clique sur toutes les fleurs. Donc on va cliquer sur toutes les fleurs. Donc les trois premières, c'est bon. Je sais plus c'est laquelle qui m'avait ramené au camp. Je crois que... Ok. Et donc celle-là, c'est mort. Celle-là, c'est mort. Celle-là, c'est mort. Et l'autre nous ramène. Donc troisième partie du jardin. Donc ici, ça sert absolument à rien de faire le tour, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Comme ça, c'est dit. Je sais pas pourquoi il y a une bûche là-bas, c'est pas normal. It's a trap. Oh non. Ok. Ok. Bon, ça c'est bien chiant. Ok, donc avant de cliquer sur quoi que ce soit, sauvegarder. Comme ça c'est dit. Quoi? Faut que je passe de l'autre côté? Fais chier. Mais je ne peux pas. Comment j'ai fait avant? Mais bien sûr, ça, c'était avant. À moins que le rocher soit une sorte d'interrupteur. On continue. Allez. Ah oui, c'est aussi... Vous vous demandez pourquoi j'ai une longue absence. J'ai eu une longue absence. Je vais vous expliquer les raisons quand même, parce que je me dois de me justifier ne serait-ce qu'un peu. C'est qu'en ce moment, je suis beaucoup sur un site et un forum. Oh non, faut que je trouve l'interrupteur. Je sais plus laquelle c'est. Bref, je suis beaucoup sur un forum qui est Nuzlocke France. Donc pour ceux qui connaissent. Déjà, je passe un coucou à tous leurs membres parce qu'ils sont super sympas qui regardent ces vidéos. Et ensuite... Et je suis également beaucoup sur DeviantArt, où je me suis créé un compte. Et donc voilà.
J'espère, enfin, j'espère non. Voilà. Si y en a qui connaissent, bah voilà, c'est pour ça que je suis beaucoup moins sur mon compte YouTube, c'est parce que je suis sur ces deux sites et ça pompe beaucoup de mon temps, tout simplement. Et comment je fais pour passer quoi? Si les fleurs ici, ça ne fait rien. La fleur là-bas, ça ne fait rien. N'empêche que c'est vraiment chiant. Je sais pas pour vous. Moi je me fais bien chier en ce moment. Ça va être le trou là-bas. Puis leur jardin de 5 hectares, là, je m'en passerai bien aussi. Pourquoi je ne peux pas passer alors que j'ai réussi avant? Ce n'est pas normal. Peut-être qu'il faut que je retape sur le rocher. C'est reparti, on retourne en arrière. Voyons voir. On va prendre cette fleur là, tiens. Ok, il n'y a rien. Oh là là, comment c'est chiant. Ok, alors. On y retourne de la façon dont je peux y retourner. Interrupteur. Go out. Game out. Bref, c'est... Alors, on continue. On ne sait jamais. Il ne faut jamais désespérer. On va prendre la fleur là. On va prendre les deux autres fleurs. Cool. Là, je viens de découvrir qu'il y a une troisième partie. Donc maintenant, je peux passer. Et maintenant, il faut que... Attends. Oh non, il va falloir que je refasse tout. Ok, c'est bien ce que je dis avant chaque choix. Bon, moi maintenant je connais le chemin. Il faut que je tape le rocher, que je passe sur le rondin de bois, que je me fasse attraper par le piège qui me ramène ici pour que je prenne la fleur là qui me permet d'arriver à l'autre partie. L'autre partie, il faut que je fasse bien le tour. Puis là aussi, il faut que je fasse bien le tour. C'est la fleur la plus éloignée du point de départ. De bons souvenirs grâce à cette musique. Par contre, je pense qu'elle va commencer à vite me saouler dans ce jeu. Mais bon. Bon, après, il pleut encore depuis... Ça fait environ plus de... Ça fait plusieurs semaines qu'il pleut, mais... Non-stop, mais il n'y a toujours pas d'inondation. C'est bien ça. Ok. Là, on a sauvegardé. De toute façon, on peut faire revenir. Il faut que j'arrive au rondin de bois. Ça, j'en suis sûr. Un autre truc dont je suis sûr, c'est qu'il faut pas passer à droite ici. Que je vais aller en avant ici. Non, que je ne vais pas aller en avant ici. Et c'est ici que tout prend son sens. Voilà. Vive la triche. Je me demande ce que peut bien être l'herbe à chat, n'empêche. Est-ce que cette grosse traînée foncée? Aucune idée. Ok, maintenant, là, on sauvegarde. Faut pas aller là, on va passer par ici. Par ici, donc pas par ici. Hop, ah voilà, ça s'appelle du bien. On va passer par ici. Voilà, là on sauvegarde. On va passer par là, donc pas par là donc. Tant de stratégie. Tout droit alors? Tout droit, ça m'a l'air d'être bien. Ici, je sauvegarde.
c'est ici. Ok, il en reste un. Il ne faut pas se faire avoir. On va passer par ici. Ok, sauvegarder. La sauvegarde devient très importante à ce stade du jeu. On va essayer. Ok, pas ici donc. Ok. Ok, on ne peut pas passer par là. Ici. Il faut que j'arrive au rodin de bois. Ça, je le sais. Ok, donc il faut que je fasse le tour. Le jeu est vicieux. Mince, j'ai éteint. Mince, faut que je clique. Voilà. Ok, donc il faut que je fasse hop, 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 hop. Là, je sauvegarde. Que de fail, les amis, que de fail. Ok, on y est. Le voilà, c'est le Graal. L'herbe à char. Là, on va avoir un piège. Voilà. C'était évident. Je me suis douté. Mais j'étais déjà engagé. Engagez-vous dans la marine. Ceci n'était pas un message subliminal. Vu que je l'ai dit à haute voix. Mais bon, enfin, le trouver un message ici, c'est pas normal. Yes! C'est la fête, on a obtenu l'herbe à chat. Ok, donc maintenant on se casse. Voilà, on prend le piège en pleine face et on s'en va. Hop, on va parler à elle. L'autre, comment elle m'évite? On ne peut pas. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je retourne à toute vitesse dans mon clan. Il faut que je la donne à elle. Ok, donc aïe, l'apprentie s'est cassée. Enfin, on a enfin remarqué qu'elle s'était cassée. On a donné l'herbe à chat, tous les chats vont mieux. Sauf un. Je vous laisse deviner lequel. Enfin, vous le savez normalement. Non, c'est pas par ici de toute façon. Là, on va vers le clan de la rivière. Moi, je vais aller vers le clan de l'ombre, qui est de l'autre côté. C'est bien chiant quand même. J'ai pas de... Non, j'ai déjà regardé, il n'y a pas de repousse. C'est au moment où je dis ça qu'un chat surgit. Bah, on continue. Là, on va à gauche. Et on arrive juste à temps pour voir notre apprenti qui se fait scratcher. Donc, il y a... Bon, bah. Donc, nuage cendré. Elle cherche graine de tigre. Et elle entend... Enfin, moi j'entends un monstre, le rugissement d'un monstre qui arrive sur le chemin du tonnerre. Et puis là, on voit un éclair rouge et quelqu'un qui dit « Ah !» Et puis quelqu'un qui disparaît. Après, on a Gris des tigres qui dit qu'elle est vivante et qu'on doit rentrer au camp vite et qui dit « Allons-y ». Donc, je ne pense qu'elle va survivre, que Étoile Bleue est vraiment très malade, et elle pense qu'elle va perdre une vie. Cette nuit, Étoile Bleue a perdu une vie. Maintenant, elle est complètement guérie. Et il ne reste qu'une vie. Ok, donc là, j'ai pas compris en fait ce que c'était que la dernière phrase, mais bon. C'est pas grave. Alors ça, moi, c'est fait. Ok, ça, c'est fait aussi. Ok, on doit pas hacker. Ok.
Ok. Ok. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ça fait combien de temps? Ça me pense que c'est assez pour un épisode. 35 minutes. Ouais. Parce que là, en fait... je suis un peu épuisé. C'est les vacances, voilà. On va pas se bouger. Ouais, je baille. Bon, bah... on va dire que c'est bon. Et puis, voilà. Donc, voilà. À plus, les amis. Non, attendez. Faut que je me prépare parce que... voilà, c'est... enfin, laissez tomber. Donc, j'ai dit à plus, les amis.